gens là dans la rue devant moi pour démontrer qu'ils n'avaient rien sur eux, pas d'explosifs, évidemment. Quitter cette enceinte au Congo, ça veut dire des accès littéralement bloqués, et particulièrement le lieu où tout à l'heure il y a eu cette série d'explosions. C'est assez confus en fait, parce que nous on a entendu deux explosions. Bon, au départ, je pense que c'était très confus à l'intérieur du stade. Il y a eu des mouvements de foule en fait qui étaient très. Bah, tout se déroulait bien, l'équipe de France a gagné, on était tous contents. Et à la sortie du stade, grosse désillusion, la fête gâchée, il y a eu on a commencé à paniquer. Ça allait assez vite et là, bah, impossible de rentrer, les horaires bouchés, tout le monde partout. C'est assez stressant, c'est un grand bazar dans Paris. Ouais, je t'écoute.